La variole de le roi Aegon se répand. Oh. Je sais pas qui a nommé la maladie. Province de Astebois. Dis-moi que c'est pas moi. C'est bon, c'est pas chez moi. J'en ai plein le cul. J'en ai trop eu chez moi. Je suis supporter du Real, je suis content. Ah, toi t'as vu Luna, toi. Ah, non, mais. Non, mais je l'ai. Oui, effectivement, oui, je viens de dire. Peut-être le bloquer. Hein. Alors. Ah, cool. Merde, il se passe quoi? Oh, Herbert, il est mort. Oh non, mon meilleur ami. Oui. Herbert, le cinquième mousquetaire? J'ai obtenu du stress. Que 6 de stress, qui est pas énorme. Je vais plus vite, je vais mieux, Dortmund, OMG. En plus, c'était mon meilleur ami. Ça va. Et bien plus encore. Bon. Par pitié, mettez-leur une clim. Comment t'as sorti ça? Ouais, des équipes en Champions League qui ont pas le droit au bonheur. Ah, ok, mec. Enfin, force de fou. Bah oui. En même temps, c'est vrai. C'est moche, mais en même temps, il a raison. Il y en a, ils ont pas le droit au bonheur. Toujours les mêmes. Et putain, mais... le bonheur. Bah, c'est ça, c'est. On s'emmerde. On se fait chier. Tout me fait chier. La vie, cette sale race. C'est qui ça? Pourquoi ils aiment pas les Hightower? Bah. Alors, quand on a comme LB, c'est à cause de la série House of the Dragons, on a pas vraiment de. Moi, je les aime bien. Oui, bah oui. Bah, oui. Je suis pas étonné, tiens. Ouais, non, mais... Ah non mais c'est légitime. Non mais c'est... Oh oui, 2-1, oh oui, tape gauche, tape droite. Ça part de là. Allez, ah. Allez. Allez. Ah c'est hors jeu, c'est hors jeu, c'est hors jeu, on est où? Ah, un hors jeu imaginaire du coup si c'est le réel. Surtout sur hors jeu, un ralenti, pitié. Je regarderai pas la VAR, c'est l'arbitre. Non, je regarderai pas la VAR, j'avais pas besoin. Attendez. Je te jure. Attendez. Oui, hors jeu. Oui, en jeu. Ouais. Ils ont marqué un but, ça part de là. Le mental, tout ça. Les mentales? Oui, ce fameux fromage. Ouais, il se passe quoi? Ils sont en guerre, eux, contre qui? Quoi, fort? Les pauvres filles, allez épouser votre oncle ou frère. Bah oui. Bah quelle belle mentalité. C'est pour ça que ça marche. Y'a faute là, OMG, il tient le maillot là. Mais mets-lui un rouge. Ah, tu mets pas là, hein. Ça aurait été un allemand tout de suite. Hein. On est en train de le perdre. Mes pauvres filles, allez épouser votre oncle ou frère. Allez là, hop. Oh, il est nul, lui, il est du cul là. À quel âge, mon perso? 47 ans, putain, mais le perso de Magnus, il est toujours vivant. Toujours. J'ai 12 enfants, help me. Ah, j'en ai 14. Pardon, je risque de. Ah non, c'est bon. De 2020, j'en ai que 12, effectivement, moi. Il est où ce mariage? Ce n'est qu'un peu de moisissure. Ah! Ouais, non, j'ai pas envie. Hein. Oh, les commentateurs suisses ont le sel là. Est-ce qu'on s'en lasse? Oui. 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 Oui, on s'en lasse, oui. C'est sûr, hein, quand t'as un roi qui éponge toutes tes dettes par magie. En fait, c'est surtout ça le problème en fait. C'est vachement plus facile de gagner les titres. Pendant la dictature, tu puis aussi la moitié des joueurs du Barça. Ouais, aussi, là. Hyde. Il est grand temps de faire redécouvrir la pauvreté à ce pays de mangeurs de chorizo.
Oh putain, Phoenix, t'as balancé ça. Hein? C'est leur terrible. Leur expliquer pourquoi est-ce que leurs ancêtres ont dû prendre le bateau pour aller piller d'autres pays. Ah, fais voir les fois. Ah, la foi de Magnus, elle... ça se répand. Elle est pratique, disons. C'est vraiment une foi qui est pratique. Hein. On l'a conçue comme ça. Hein. C'est quoi sa culture? Vivraine orageuse. Bon, après, dans... je mets plusieurs. Hein. Et maison. Maison intérieure. Ah. Alors, comme je... Qu'est-ce qui lui arrive au roi? J'ai un conseiller qui est mort de vieillesse. Il pouvait pas mourir de jeunesse. Il est tombé tout seul, pitié. Oh pitié, pitié. Envie de gerber là. Oh putain, je viens de voir le surnom de perso de Magnus. Le faible. La faible. Ouais. Bah regarde, ouais. Ça vient. Ah, enfin, mais il s'est passé quoi, mec? Bah j'ai eu des problèmes il y a longtemps de ça. T'as fait une tuée d'ailleurs. Mais il tombe ah, ouais. Il y a au moins 15 ans. Il y a au moins 15 ans. Ah ouais. Ouais, ça arrive pas, toi. Non, on est là, toujours debout. Ah oui, il est un peu mieux ton héritier au niveau. Marquer de l'héritier, l'égitier. Sauver l'honneur, sauver l'honneur. Oh là là, ils font des passes à quelqu'un en direction qui joue. Ah, légende au fait pour la dynastie Targaryen se répand en seigneurie de Calmy. Ouais, par contre, remplace pas ma légende, s'il te plaît, frère. La légende. Qui est mort? Mon amiral. Décidément, ça poste à chier chez moi, ça. J'avoue, il meurt tout le temps. Ça te coûte combien? 7$ par mois. Oui, je dis les dollars. Alors, fais voir la légende, c'est roi Rhaegar. Attends, j'ai pas lu la légende. Attends, fais voir. La légende Rhaegar. Le roi Rhaegar, centre de fer, c'est pareil que là. Bah, tu barlottes dans la guerre de libération. Ah putain, oui. Bah oui. Ouais, le roi Rhaegar découvre. Oh merde, tu fais chier. Attends, je dis ça en plus, c'est mon enfant qui naît. Enfin, c'est un enfant qui naît. C'est pas cool. C'était pas comme ça, Dio, pour le match de Sion la dernière fois. Bon, j'étais pas en vocal. Ils sont affrontés une équipe nulle. Donc. J'étais sûr d'être promu, donc effectivement, j'étais pas comme ça. Le FC Toutoun. Bah, le FC Toutoun, il reste en Ligue 2, puis du coup, ils vont bel et bien accueillir Lugano qui accueilleront des matchs de Ligue des Champions. Pas de qualification de Ligue des Champions, donc c'est rigolo. On va marquer un troisième but, c'est ce fils de Spagouin là. Ah, il y a du seum, non? Ah non, mais. Non, mais il y a du seum, tu as dit, mais je me. Mais tu sais, c'est comme les clubs anglais qui ont 20 000 couilles financières, quand on leur dit non, mais en fait, vous allez perdre des points, mais en fait, non. C'est... Oui, bah, genre Manchester City qui a 15 infractions au. Bref. Voilà, par exemple. Des enfants de mangeurs de paella, là, quand même. Putain, paella, c'est pas bon, allez hop, tiens, hop, j'ai. Vous allez faire quoi, là hein? Waouh. Ouais. Wow. Pas profiter des Espagnols, là. C'est vraiment mon empire romain, ce mot. Putain, j'ai 53 en diplomatie. Combien? 53, frérot. Mais l'animal hein? Il était pas... Je crois que c'est pour ça que t'es... Ah oui, bah c'est pour c'est ça poste. Que tu es au poste ouais. Que je suis, hein. Ouais. Fais voir mon mari. Putain, il est encore en bonne forme. Encore en bonne forme. Déverrouille le grand mariage sanglant. C'est pas de marrant, dire. Oh non. Il va faire une drogue. Oh non. Je sais pas comment ça fonctionne, mais... Oh. Ouf. Je sais pas si marrant c'est le bon terme, mais... Oui. Putain, mais il est encore vivant, Aubryn. Il a 66 ans, quoi. Oh, il a... 66 ans. Ouais, et il meurt pas comme dans la série. 66 ans. En disant qu'il va pas mourir. Ah,
La vipère. Le Viper, en hommage à la voix de pure. Non. J'ai failli faire la voix putain. Attends. Pire que la voiture. Est-ce que tu connais la série dédiée à la voiture? Ah, ça me dit un truc. Tu sais, avec la carrosserie qui change de couleur. Ah, putain. Ah, c'est où ça, alors, parce qu'elle devient pare-balle. Le nom dit un truc, mais je me demande si je confonds pas avec autre chose. En fait, c'était un... En fait, tu j'ai vois, c'est un enfants dangereux. Ah ouais, bah... Bon, t'inquiète, là, bon, mon perso, là, c'est bon, elle a mis le rideau de fer, là. Il faut répondre. Huit gamins. Bah après, si tu veux, t'as la phrase de la maison peine d'Aéris. Ah oui. Alors que je retrouve... Attends, maison peine d'Aéris. Les officiels, ils ont gagné, ça, le prix. Alors... Merde, je trouve plus. Ah, il faut chier des mains pour envahir le monde. Littéralement. C'est... Et nous sommes fidèles à notre devise familiale. Ah oui, bah... Non mais la série Viper, pour ceux qui ne savent pas, donc le plot, donc c'est dans les années 90, hein, faut pardonner quand même. Hein. Le plot, c'est en fait, il y a des dangereux criminels de la route qui font des crimes de la route. Et à un moment, il y en a un qui a un accident, et en fait, on le récupère à l'hôpital, la police le récupère à l'hôpital. Sure. Et comme il a perdu la mémoire, oui. Il fait croire que... Il se passe quelque chose de grave. Ah bon? Un de mes servants a fait tomber un tonneau de vin. Voilà. Voilà. C'est quoi son petit nom? Allez, nettoie-moi cette merde. C'est quoi son petit nom? Il n'a pas de nom. Ah ouais. C'est un servant, il a vraiment pas de nom. Hein. Prendra un courtisan au hasard du coup. Oh tiens, Fernet, là, il est mort lui. Oh non. Non. Ouais, t'es bon, roi. Non, mais t'es. Aucune preuve, non, on a aucune preuve. Ah non. Vous avez rien vu. Tu préfères un enfant lâche, timide ou paranoïaque? Ah merde. Bah. Lâche, non? Oh, en vrai, lâche, mais c'est bien. Ouais, hein, c'est bon, il va rester lâche du coup. C'est déjà mis lâche. C'est terrible. Oh, mais Meredith. Et là, les noms, ils partent en couille. Hein. Elle a combien de gosses, elle? Parce qu'elle avait... La dernière fois que j'ai regardé, elle avait 23 ans. Elle a 24 ans, elle a déjà deux gosses. Putain, la vache. Meredith. Et ils sont tous beaux, hein, les enfants qui naissent. Hein. C'est un truc de ouf. Alors que le père, il a une gueule. C'est qui son père? Lancel. D'accord. Oh ouais, tête de cul, quoi. Par contre, il les chasse. Il réussit à faire des gamins. Mais t'en chasse. Fois. Putain. Non, mais c'est beau, hein. Moi, je respecte, hein. Alors, Princesse Loresa, du coup. J'ai alors... trop de notifs. C'est le problème quand on est roi, ça. Un problème que je n'ai pas. Alors attends, notre cour royale est au niveau de magnificence, c'est cool. Elle a des balles à faire. Ouais, c'est pas grave. C'est quoi ce truc sur votre gueule là? Elle est poète, elle est festoyante, cousine Auguste, aspirant maître des lames. Putain, mais niveau 3 en négociateur, hein. Putain de. Combattante entraînée, putain. Quand ouais, même. C'est niveau 4 en diplomatie, mais ça m'aide pas beaucoup. Diplomatie. Oui. Alors, fais voir le prince Averich. Ah ouais, il est fort en combat, lui. Merde, j'ai une conseillère qui est décédée. Ah putain, ouais, il est fort en combat. Comment le défie? Non, mais il est fort en combat, il a 21. C'est... Il a pas de bonus. Tu vas te calmer. Comment le défie? Comment le tue, là? Combat entre hommes, on s'en bat un combat entre hommes. N'est pas refusé. Viens. N'est pas refusé un combat contre votre. Contre roi, quand même. Ah, pitié. Mais c'est moi qui meurs. Ah, je pense à la loose. Les 5% de chance qui passent. Ça me l'a fait une fois. Genre, le combat, il y avait très peu de pourcentage que je perde. Bah, il a perdu, il est mort. Ah bah, super. Améliorez votre légende. Ah, encore.
Ah non, HP. Ça fait beaucoup, là, non. Ah non, HP, c'est... Ouais, non, toi, contrairement à moi, tu peux mettre au niveau 3. Moi, je pouvais pas. Et ouais. Bah non, mais... C'est ça, la puissance. Fais-le, quoi. Pas plus 3, les enfants. J'ai pas l'argent. Ah, sérieux, ça coûte si cher. Putain, t'es en train de remplacer ma légende, je crois, à certains endroits. Ah merde. Ah non, quoique. Pas sûr. Bon, c'est quoi, ça va se coller, en tout cas, mais... Justement, je sais pas si on peut remplacer. Ça, j'ai pas le temps de voir dans ma partie ça, là. J'avais une légende qui était genre tout au nord et puis tout au... à droite. Mais il se passe quoi, là? Lié par la chaîne d'Ariane enfant cam, il préfère accompagner des livres. Ah, tu veux devenir maître? Bah écoute, deviens maître, mon enfant. Oh non, après tout le monde va le taper, se moquer de lui. Il va plus faire ça. Les nerds, c'est terrible pour une famille. Écoutez, c'est ouais. C'est mon dernier né. Il deviendra maître. Donc il est pas ferné, moi ça me va. Non, il est pas ferné. C'est un novice actuellement. Putain, j'espère qu'il deviendra... Qu'il deviendra bon. Ah, oh, je pourrais l'inviter à la cour un jour, ça veut dire. T'as intérêt à être bon, toi. La pression, hein. Je te jure, le coup de pression. Et t'as intérêt à être bon. Mais bah, c'est... vas-y, fais ce que tu veux, franchement. Bah quoi, perdre de temps, quoi. La faible, là. Elle veut quoi, la faible? La faible... Je me suis tapé ton père. Ah, oh, Lady Ombreaker, là, qui pond des enfants, là, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Lady Ombreaker, qui pond des enfants, là, c'est... Elle en a fait combien, déjà? Ah, elle en... Deux, et puis il y a le troisième qui arrive. Ah, bah super, j'ai deux épidémies, coup sur coup, là, qui... Mais si, visiblement, elle fait preuve d'adultère, mais... Qui chez Targaryen ne le fait pas? Ah, putain, je peux pas voir le niveau des épidémies. Il y a un bug. Il doit y avoir un système. Oh oui, j'ai failli. Hein. Oh merde. Je vais dire, il doit y avoir un bug. Mais du coup, ouais. Ah, mais ma terrible. Fille Daenerys est également enceinte. Tu vois. Laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs Daenerys, je pense. Ma fille directement. Ta fille se répouse? Non, pas encore. Non. Je n'ai pas franchi l'étape encore. Non, mais même Daenerys, hein. Enfin, celle que je garde, du coup. Et plutôt... Ah, elle va se marier avec son quoi, son cousin? Ouais, regardez, j'ai pas tout contrôlé, hein, je... Ah oui, c'est vrai, ça se contrôle pas, toi. Moi, typiquement, mes enfants se marient pas entre eux, hein, je... Ah, toi, ils font... Ah, bah tiens, il y a un membre de la famille qui est dispo, là. Moi, je suis là, oh tiens, Dorn, oh tiens, Nord. Mais t'as combien d'enfants, frère? Moi? Ouais. J'allais le faire, en plus. Moi, 9, hein, ça va, excuse-moi, hein, que 9. Ah, entre, c'est plus que moi. On en pond là. Les enfants des enfants, des enfants des enfants, des meilleurs, et là on en pond. Hein. On est des cadors. Les cadors. Accorder une audience, non. Grand tournoi. Non. C'est quoi ça? Demander audience au Seigneur Lige? Ouais, ah, mais non, je vais propager ma religion, ma légende, je vais pas. Il te demande combien, toi? Pour voir la légende? Ouais. 600 plus 200, donc 830. Putain. Ah, vache. Ouais, je vais se parier avec mon chevalier, elle, là. Elle a 61 ans. Ouais. Légende légitimatrice. Ouais, moi j'en ai une aussi, du coup. Mais c'est... Ah, je peux... Ah non, je peux pas le faire. Ah. Je pense pas que je puisse le refaire, le offert. Ça prend, ouais. C'est pas le temps de baiser. Hein. Et de mes pieds. Cette phrase, putain. En plus, c'est une légende sur mon perso. La soirée est incroyable. Oui. L'arbre de la famille est pas mal, quand même. C'est à lui que là... Ah bah, tout quoi, oui. 50 membres vivants. Attends, t'en as pondu, toi aussi. Oh, je peux m'acheter un titre de chevalier. Sérieux? Oh, le nulot, c'est... Le roi. Où est l'arbre... L'arbre du Nord? 50 ans, elle est morte. Ah, ma fille Ginetta, je crois, elle va être, va devenir guerrière. C'est pas possible, 22 ans... Demandez à rejoindre les sœurs du silence, mais je suis pas un zinzin, attends.
Tu apprends le haut valérien. Comment on voit l'arbre d'Astic déjà? Je suis pas loin là. Faut appuyer sur là. C'est bon, j'ai. Oula, alors, attends, je regarde ton écran du coup. Tu vois? Attends, je sais pas. Oh la vache! Attends, je zoome un coup. Ah, ça rentre plus. Hein. Oh la dinguerie! Attends, parce que moi j'ai pas des. Ah, il y a une boucle là, attention là! Ah, Breaker! Rhaenys, ouais, pas les. Mais une boucle là! Sorry, mais une boucle là! Non, on a fait la cousinade. Pourquoi vous faites pas d'enfants, vous? Une cousinade, quoi. Qui c'est qui est chaste? C'est pas pire que chez nous, quoi. Qui c'est qui est chaste? Qui c'est qui est... Oh, putain, mais elle a des stats de bâtard, hein. Le poulailler. Maison, le poulailler. Ça va, oui. Bon, fais des enfants, s'il te plaît. Bon, l'héritier, il a 17 ans, il a déjà bien. Il a déjà un enfant. Okay, bon. On a deux enfants qui sont mariés, qui ont 19 ans, ils sont toujours pas pondus, mec. Je sais pas si tu rends compte. Proposer une tutelle. Alors, la petite dynastique. Je suis de ma famille. Non, ça, je regarde plus. Ça. Ah, bah, toi. Alors, si je regarde, je pense que toi ouais, c'est. Il est pas très large en fait. Il se répète un peu. Bon, ça va là. Je pense qu'en vrai, ça va. Ah merde, actuellement, j'ai cliqué, vous fallait pas. Si ah, attendez, je pécho. C'est bon. Hein? Excusez-moi, j'ai rien vu. C'est ma vie privée, pitié. Attendez, là ça doit boucler, là je pense. Ah. Rhaenys, non. Daenerys. Ah, ce cri de mort. Frappé par la goutte. Oh mon dieu. C'est pas un de mes personnages, je vous rassure. Ouais, non, mais ça va encore. Ça boucle pas que tant que ça. Ah, y a pire. Moi, je me demande si ça commence pas à boucler un peu, en vrai. Je crois pas. Mais je pense que j'ai pas dû ouvrir un onglet parce qu'il faut que ça bouclait il y a pas si longtemps. Ah. Attends, Prince de Rhaenys, t'as pas d'enfant? Ah putain, t'es pas marié. Oh merde. Ah oui, mais toi. Ah c'est bon. Que tu sois chevalier, j'ai ouvert c'est le bon onglet. Ça boucle maintenant. Ah, ça triple boucle même. Oula. Thérapie du rire, non. Ouais. Toi, je suis pas de ça, j'ai derrière rien. Je peux pas l'envoyer au mur. Non. Bon. Ah, je peux pas. Ah, mais je peux pas le proposer de mariage, vu qu'il est chevalier, c'est pour ça. Hein. Et je peux pas le proposer à la cour du roi, là. Dommage. Oui, au moins deux. Dommage. Bon, attends, Saria. Elle est mariée. Très bien, elle est apérie. Moi, j'ai rien dit, elle fait des enfants. Lorelai Targaryen. Et Rhaera Targaryen. A priori, je crois que c'est Dio qui s'occupe de cette lignée. Il y a des chances, ouais. Ouais, bah, si elle est mariée. S'il y a des noms normaux chez Targaryen, c'est pas moi. Alors, eux, ils ont pas d'enfants, eux non plus, mais eux, ils sont trop jeunes, donc c'est normal. Et lui, il est à Citadelle, donc il ne fera de toute façon pas d'enfants. Alors toi, par contre, normalement, tu peux peut-être au moins... Mais ça bouge ici. Attends, je sais que t'es un écuyer, toi. Mais c'est pas ça, c'est pas son... Putain, ta mère, pas, mais c'est... Oula, c'est cousine, tout va bien, là. Prince Albéric de Dorne. Ah, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont morts, là. C'est triste. L'air triste. Ouais, c'est triste. Enfants, triste. Et ses enfants sont trop jeunes pour putain, Viserys, faire des armes. Viserys. C'est quoi ce casque? Malade. Putain, c'est fait chier. Les premiers trucs qu'il me propose, c'est des. c'est des Targaryens. Mais j'en ai marre de faire parler tous mes gamins avec des Targaryens. Ce n'est que renforcer entre renforcements.
Un grand tournoi à Blanc Power. Ah, le grand tournoi est dans le nord, il faut traverser des zones dangereuses. C'est... Merde. Putain, je sais plus. Il manque 9 pièces d'or pour améliorer ma légende. C'est terrible. La légende. La légende. De Rhaegar. Améliorer la qualité. Paf! Ah, c'est quoi ça? Ah! Excuse-moi, je viens seulement de voir ton truc. 84% merde, j'ai pas regardé. Oh la vache. Bonsoir. Oh le mariage. J'ai l'impression que c'était un mariage. Ah, c'est plus une cousinade, je crois, vu 84% de chance d'avoir un enfant. Bah, ça serait pas arrivé. Si c'était des Targaryen. Merde, attends, je me rappelle plus, c'était avec qui? C'était pas elle. C'était pas elle. Merde, c'était avec quel enfant? Ah la vache. Non, c'est pas elle. Ah, ça y est, Daenerys rentre chez toi, cher roi. She accomplished a job. Elle est mariée avec qui? Qui ça? Quelle Daenerys? Bah, Daenerys. La 12 dans la famille. Oui, bah. Ouais, celle qui était chez moi, celle qui était chez moi. Ça va ne mettre qu'à moitié. Celle qui est... C'est une rousse. Ça va être qu'à moitié de nouveau. Je crois que c'est toute mitrousse, oh. La blague. Attends, je... C'est la fille du qui... Je fais un truc et... Attends, ben justement, je fais un truc, je regarde. Je regarde, hein, je clique, ah. Là, je clique là. Relation, merde, c'est plus une pupille, fuck. Oui, j'ai tenté aussi. Attends. Merde. Allez, je crois avoir ma petite idée, attends. Oui, je suis... C'est allez, bon, trouvez. Ah oui, elle est mariée avec son cousin, parce qu'elle a rien demandé. Ah bah oui, c'est père, oncle, époux, Viserys Targaryen. Attends, frère, encore oncle, époux. C'est terrible. Oncle, frère, époux, ah c'est beau ça. Ah ça c'est beau ça. Mon plus cousin et... Ça c'est un niveau de... Je sais plus les phrases, mais tant pis. Tu finis plus les phrases. Ouais, mais j'ai plus le même en tête là. Le même là avec... Oh merde, comment il s'appelle. Je sais même plus le nom d'acteur. Mais j'ai pas envie d'accorder le... Ça demande un niveau d'âme que... Truc là... Ah, ouais, Fabrice Uchini. Voilà. Ça demande un niveau d'âme. Voilà. Ouais. Comment ah, ça c'est se beau. Fait que... C'est beau, les là, enfants là. Que fait Albéric, du coup, ouais, ils commencent à avoir la base du Albe dans les noms. Oh, c'est beau, ça. Oh non. Oh ouais. Oh non. Oh ouais. Oh ouais. Oh, c'est bon, ça. Ah, quand dans 50 ans on verra des Bastarions, sera là, des Bastaris, ce sera là, mais. Dis donc, Dorn. Quoi? C'est bientôt fini ces demandes? Désolé. Trouver une autre famille, bon sang. Le Nord, là, ils ont rien. Ils n'ont pas des enfants pour ouais, moi. Ah, mais ils m'ont déjà. T'inquiète. Ouais, des enfants. Là, le petit-fils, là, Andalo Penderis, là. Bon, il respire bruyamment, mais sinon ça va. Il est charmeur. C'est oui. Qui ça? Oh merde. Un enfant d'un enfant. Putain, j'ai pas trouvé l'enfant que t'as voulu marier. Attends, parce que Magnus, il avait proposé un mariage, je me rappelle plus, c'était qui, là. Ah, pour t'avouer, je m'en souviens plus non plus. Hein. Je suis à la toute vitesse, j'en ai marié 5 dans la foulée. Ah non, mais je sais que c'était... Ah, c'était Martel et Delon. Ah, mais les deux sont de la même famille. Oh et alors? Ah, ils sont cousins, ça. Ah, mais c'est pour ça... Non, c'est pas cousin, là, je crois.
Qui Moi je vois, je peux juger, je suis un spécialiste. Attends. Ils sont pas frangins. Non, ils sont pas frangins, mais ils sont très proches, hein, je crois. Ah, mais c'est sa fameuse cousinade, là, non? Ouais, alors c'est le enfant de Lord Edward. Ah, non. C'est l'enfant de Lord Edward avec... Pandaris? Pendaheris. Oui. C'est Martel, ils sont gamins. Martel, la fiancée à Delon. Alors Martel est ici. Delon, et Delon. Eux, il y avait 84% de chances d'avoir un enfant consanguin. Ah oui, Delon, c'est une cousinade, c'est une cousinade, calmez-vous. Elle est là, regardez, elle est là. Ça fera une ligne comme ça, là. Pouk. Magnifique. J'apprécie quand les cultures du Nord se rapprochent de celles des Targaryens. Ouais, sont déjà bien proches. Prendre exemple un peu dessus. Oberyn là, et ses 38 enfants, par exemple. Ah mais lui, il a fait que des bâtards, lui. Oui, bah je raisonne plus. Du coup, ça te compte pas. C'est pas une cousinade. Ah non, mais nous, on se débrouille pour garder des trucs relativement purs, quoi. Bah, mélanger avec tout n'importe quoi. Bah non. Écoutez, nous faisons ça dans les respects de la foi des sept. Ouais, pour l'appel, je suis diplomate. Ah, toi aussi, c'est diplomatie. Avec lui, oui. Ah, t'as déjà deux arbres remplis, salaud. Moi, j'ai presque rempli le deuxième. Pour être patriarche. Ah oui, mais ça... Ah moi, ça... Vous voyez, j'ai pris ça parce que fécondité plus 20%, c'était nécessaire pour le mariage avec ma sœur qui était... Un peu coincé du slipard. Ah. Pourquoi je perds autant d'argent? Ah, c'est parce que je promue ta légende. T'en gagnes, mec. Ah, je me demandais pourquoi je gagnais si peu de pognon. Bah, je comprends mieux. Après, c'est pour être au niveau 3. Donc, c'est quand que tu peux l'arrêter, toi, dire? Moi, ça va pas être marqué, je pense. Bah, maintenant, je pourrais, je crois. En plus, pour Rigard, quoi. Bah, je sais pas. Effectivement, je pourrais là maintenant, mais vu que ça se propage encore un peu. Ah putain, ah ouais, la vache! Ah ouais, c'est bien. Waouh! Wow. Je vois que ça esquive la tienne, du coup, c'est bien en fait. Ça marche pas sur les autres. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais, c'est bien. En fait, j'aimerais bien avoir 2-3 territoires de la légende sur. Ah oui, il y a des révoltes chez mes VS de base. Et ça, oh, c'est pas ce que tu peux. Bah, écoute, si on passe par là. Attends, ça fait quoi, modification propriétaire? Nous, une amitié avec Lord Ricard. Bah... Écoute... Oui. Bravo, Cédric. Hein? Je crois... Chevalier, là, qui c'est qui content. Il s'appelle Cédric. J'allais dire, c'est un prénom de merde, mais bon. Je vais éviter. Tiens, Jimmy Lannister, il est toujours là, du haut de ses 59 ans. Non, sérieux? Ouais, il est là. Putain. Il vieillit bien, le sage. Fais voir ma soeur. Putain, toujours vivant. Tyrion, hein, toujours vivant. Toujours. Elle est toujours vivant, toujours debout, hein, toujours à banane. Assurez-vous. Ah, chaque enfant vivant vous donne un point pour une aptitude aléatoire. Allez, hop là. Alors, j'ai combien maintenant en diplomatie? 50. 2000. Ok, ça va être. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, quoi. Ça dépasse les 5 chiffres. It's over 9000. Non, mon antiquaire est mort. Il faut un nouvel antiquaire. Vous, bienvenue, bravo. J'ai un poète dans ma cour, moi. Okay. Poète. Lui, même pas, il veut pas que je propose des mariages et il veut pas que je propose des tutelles. Hein. Ah, mon poète là qui va répandre la légende encore plus. Ça coûte littéralement une fortune, mais. Ah, du coup, oui. Ah non. Oh. C'est bon, mais Chevalier participe à un tournoi, je ne sais où. Il participe.
Voilà, non. J'ai 4 avant. Number. Putain, elle est toujours vivante. L'autre folle là du. Karen. Mais ouais. 61 ans, hein. Ouais, elle résiste, hein. Je sais pas comment, mais. Elle prouve qu'elle existe finalement. Ah, par contre, elle est suffisamment vieille pour que je puisse mettre en place le suicide rituel, tu vois. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Bah écoutez, dans ma foi, j'ai mis un cérémonie sacrificielle, donc je peux exécuter pour gagner de la pitié, les gens. Les exécutions font gagner du prestige. Vous avez le prestige. Et bien sûr, tu peux décider de te suicider. Adopter un ensemble d'armoiries de personnages, je suppose. Ah, c'est... Ouais, non. Je sais pas si c'est utile, ça. C'est pour changer... Polygame. Oh non, j'ai perdu une fille. Ah merde. Attends, 44. C'est dommage. J'attends que 18 ans avant de mettre la polygamie. Je l'ai tagarré. C'est ma fille à qui je demandais de faire l'éducation de tout le monde, quoi. C'est vraiment une fille que j'appréciais. 4 gamins, 37 ans. Elle en a mis du temps pour avoir des gamins. Recherche mais j'en ai déjà un mètre qui est revenu. Beaucoup il se passait ces gamins. Putain, mais je comprends pas. Elle était mariée avec un type qui était lubrique. Elle était lubrique elle-même. Elle ne fait que 4 gamins. Ouais, mais c'est un. C'est quelqu'un d'une famille. En plus, c'est quelqu'un de chez moi en plus. Il se reproduit pas plus que ça. Je t'emmerde. Bah écoute, c'est la vérité. Non, écoutez, tu m'en parles de Elia ? Justement, ce que j'allais dire, respecter notre ancienne reine. Elle fait tellement peu d'enfants qu'on est obligé de se marier entre nous. Oh. Ça va arriver. Vous êtes désagréable. Écoutez, Dans les anciens Valéria, on était polygames. Ouais, boy, bah, Aegon, il était marié à ses deux sœurs. Hein. Ah ouais, c'est ce que j'aimerais rétablir, la polygamie, la vraie, la dure. Mais si on paye le ticket. Ouais, la dure, là. Ça, je pourrais me marier avec quelqu'un du nord et du sud en même temps. Pas de jaloux. Il va pouvoir faire le rêve de tous les fans d'animé. Je suis gouverneur du sud, moi d'ailleurs, en poche. Non. Moi je crois pas. Non. Ouais. Héritier de l'éclat, c'est quoi l'éclat? T'as un petit crustacé. Ah. T'as un petit crustacé qui apparaît dans la seigneurie de la carapace. Ça se mange super bien avec de l'ail de Provence et. J'en ai marre. Et des patates de l'ouest. Les trucs au pif, ça me rend fou. Après, ça vaut pas la bouillabaisse du bec de Massé. Mais... Putain. C'est Lord Hector. Taisez-vous. Sa femme Lady Jancella, qui l'ont introduit comme un pas national pour eux. Serment honoré, ballon forcing. Oh, il est mort, on a perdu un roi. Un chevalier. Ouais, bah, attends, t'as perdu un chevalier. Attends, il y a une place qui se perd. Alors, you, mon fils. Ah non, je peux même pas en plus. Je peux pas le proposer. Hein non, je peux même pas les choisir, je crois. Pas vraiment. Ouais, alors, je prends des random je voulais proposer Doran, mais. Parce qu'en plus, je peux pas le marier. Doran. Ouais. Putain, il a que 14 pièces d'or sur lui. Putain, t'es vraiment un pouilleux, mon fils. Putain, un pouilleux, mon fils. T'as tenu de l'argent? Non. 500 pièces, mec. T'es plus riche que moi. Ouais, enfin, je suis plus riche que toi pour l'instant. Bah ouais. T'as eu de l'argent sur Je le tue. C'est le mec. Waouh. Aegon 6, le roi fou.
2.0. Oh non. Oh non, pas encore. Ouais, vas-y, donne-lui de l'argent. Hop, hop, hop. Je tue là, je tue là. Mort, 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 mort. T'es sûr que tu veux devenir comme Aerys? Pourquoi, il a mal fini? Bah ouais. Oui, il tombait de l'escalier, non? Ouais. Oh, mais princesse Daenerys et princesse Sanris, c'est des jumelles. Oh, ce menu. Oh oui, 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 justice, justice et défaite. Ouais, 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 ouais. Ils sont dessous, ça, je connais. C'est ma Daenerys. Enfin. Non. Oh. Alors, c'est qui t'a proposé? Et oui, je peux le sacrifier, oui. Vataris. Ah, c'est un mec de ta famille. Sortez d'où vous? Ah, les Valarion, ah, c'est une famille bâtarde des Valarion. Non, c'est Valarion. Oui, c'est ce que j'ai. Il y a Steve Valarion, c'est des bâtardeux. Avec plaisir. Bienvenue, Mataris. Alors, ça, le Lord Carlton a un problème que Aiden a été engendré par une autre personne que lui. Tiens, qui l'aurait cru? Qui ça? J'ai une fille, il y a 17 ans, elle est chasse. Ah, mais c'est bien, parce que lui, s'il meurt, en plus, je peux lui. Oh putain, c'est parfait. Pardon. Fille de 17 ans, chasse. Vite. C'est un échec pour ta famille, non? Non, mais non, elle a 17 ans, elle est chaste, mais elle est quand même enceinte, tu vois. Genre, même chez moi, les chastes. Ils sont chastes sur le principe, quoi. Personne chaste ne monte pas trop à la parole. C'est un peu, ils se disent vegan, mais en fait, ils sont flexitariens, quoi. Wow. J'entends des trucs, là. Ils ont rien demandé, mais chier quand même. J'entends des choses là. Ah, oh, mais je peux modifier les Valariens. Bah, tiens, je vais abuser un peu. Maître Guntor de la Citadelle. Putain, 71 piges, le con, il est toujours pas. En plus, il est imbécile. Et t'es en train de me dire que c'est lui là qui s'occupe de mon fils. Bonne chance. Ah. Mon dieu. Un espion a été engagé, d'accord. J'ai rien dit, pardon. Allô? Hein? Bizarre. Allô? Allô? Bizarre, mec. Ça marche pas. Alliance expirée. Jenny Poulet. Oh oui, il est poulet. Il est badass, qui? C'est quoi ça? Les Balariens, tu peux personnaliser les maisons, toi? Oui, bah je crois que je suis le roi du roi du roi des meilleurs des meilleurs. Tout ça. Putain, pourquoi je rigole à ça? Du coup, j'ai changé leur devise par l'épée, l'arc et la cousinade. On va rien demander. Putain, mon chancelier, c'est un aveu. Qu'est-ce que? Imerys. Je regardais mon intendant, tu vois, comme ça, puis il est mort pendant que je regardais. Ça fait plaisir. Les frères et les sœurs, ça va, ils se démerdent bien. Là. Il est mort de complications à la consanguinité. Ça. Qui? Chez le mal. Ils ont merdé un truc. Peut-être qu'ils font des enfants entre frères et sœurs. Il a pas été dévoré par l'utérus, quoi. Pas dans l'utérus. Putain, mais ils ont remarié des sœurs et des frères ensemble. Enfin, arrêtez le val, arrêtez. Putain, faites des cousinades, faites quelque chose, arrêtez là. Ah, les cousinades. Ah, le val, il va se fondre de lui-même. Hein. Ah, je te jure. Bastaris, tu es un. Attention. Hein. Te bats pas avec ta sœur, Bastaris, parce que tu n'es pas vraiment sa sœur. Hein. Attention. C'est quoi ça? Personnage inspirant pour recevoir un financement. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous agissez comme des enfants grognons, arrêtez. Les enfants, ils font nimpe. Ils sont cons comme des briques. Allez, vas-y. Oh, belle boîte dorée là qui se révolte contre le. Ah ouais, non. Alors, j'ai perdu mon antiquaire. Mon antiquaire est décédé. Oh. Il y a tout le monde qui décède. Bon, ils sont restés en place longtemps, mais là, ça. Merde, j'ai que des gens qui sont venus à chier là-dedans. Super. Le pauvre objet dans la famille, voilà plus de points.
Shame. C'est la même chose. Bon. Ah bah, Joe, il a bien que ça reste dans la famille. Pour moi, c'est une valeur sûre que la famille se reproduit sans perdre des membres. Voilà. Les filles ont cousinade, les hommes à l'extérieur, c'est pas un problème. Ah bah oui, mais c'est parce qu'elle est morte, ça doit être pour ça. Tyrion, 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 vous allez vivre encore longtemps ? Oui. Il y a que je Tyrion, hein. 53 ans quand même. Il a 53 ans. Il a un chien. Non. Il a un chien et un chat. Moi, un chien, sûrement. C'est chiant, putain. J'ai rien dit. Non, mais sa mère, tu l'as dit, mec. Ah bon ? J'ai 53 ans. Ah bon, Tyrion, vous les faites pas ? Ah ! Ah ! Ça oh va, merde, j'ai pas... bien fait. Oui. Terrible. Ça va, j'ai pas ressorti la soundboard depuis tout à l'heure, ça va là. Ouais. Oh, on est sage, hein. Il devient de plus en plus agressif. On peut nous faire chier longtemps, hein, les îles de fer là. Quoi, ils font encore les cons ? Non. Non, mais non, c'est mes copains. Ah. Vu que j'ai mis quelqu'un d'autre. Ah, ça va. Oui, je sais, c'était un mec qui était dans les terres de l'Ouest à la base. Oui, bon, il a perdu ses terres de l'Ouest du coup, mais il a gagné des îles, donc il doit être content, j'espère. Je vais mourir. J'entends un gong dans ma tête. Sa vision est basée sur le gong. Je suis connu pour mon dévouement à la foi. Mais du coup, est-ce qu'ils sont convertis ? Un avis, je pense. Oh non, mon nouveau mari meurt aussi ! Mais il a 61 ans aussi, espèce de fou ! Non, mais c'est pas possible ! Attends, je vais te trouver quelqu'un, moi. On va te mettre un vanille, mais surtout pas. Un lâche. Non, c'est pas sympa. Votre fils. C'est si un peu de caris. Bon, écoute, dans ma cour, j'ai personne, finalement, désolé. Comment ça, t'as personne dans ta cour ? J'ai personne d'intéressant, j'ai des vieux courtisans qui puent du cul. qui dit ça juste après, il lâche un énorme euro, quoi. Tiens. J'ai un nudiste aussi, visiblement. Super mec. Il s'appelle Patrick Pigbois. Il doit être canadien. Calme-toi, Patrick. Patrick. Il s'appelle Patrick. Alors, Patrick. Patrick. Il s'appelle vraiment Patrick. Hein. Ah, un complot à la cour. Mon maître espion m'a enseigné une grave nouvelle. Quelqu'un planifie ça. D'assassiner mon invité, Jaime Lannister. Oh non, c'est le distorpé. Il répond le coupable. Même si en vrai, vu son âge, bon, voilà. Bon, ok, mec. Non, mais il est adorable. J'ai adoré sa sœur, mais je préférais son... Comment ça ? Quoi ? Sa sœur ? Mais c'est bizarre parce que, enfin, il me semblait que... Non, moi j'étais avec Elia, votre tante, père. Et tout se passait bien, c'était super. Mm-hmm. Ouais. Femme adorable, très charmante, très aimante. Tu peux enlever ton casque, espèce de pauvre con, là. Seul le haut-père me guide. Pardon. Voilà, qui tu l'as ton perso. Le haut-père, ouais, je respecter, comment ça s'appelle. Ah, c'est Bastaris. La merde, en plus, ça va être un membre de la famille. Merde. Respecter Bastaris. C'est pas parce que j'ai fait que t'as avec une torne ivrogne que. Ivrogne. Ah, c'est une jumelle, là. C'est qui son frère? C'est qui son frère, hein? C'est sa pas Bastaris? Non, c'est sa sœur. C'est Daenerys et Sandris. C'est la femme c'est blanche et... La flamme blanche et Daenerys. Waouh, ça mec. Elle a pas de surnom, vous savez. Ça arrive. Ma sœur, là, par exemple, s'appelle la Dragon Rouge, c'est super. Comme ma femme, sérieux qui s'appelle la Dragon Rouge. Ah, mais c'est ma sœur. Putain, je suis con. Bah, c'est peut-être la même personne. Putain, mais c'est la même personne, putain. J'étais surpris. J'ai pris tes prix de cours, là.